C'est parti. Et c'est parti avec un très bon départ de Vivien Gonnet. C'est lui qui fait le hold shot. Grégoire Martinez, ah, encore ouais. 3. Eh oui, et c'est. Je crois bien que c'est Romain Giuffre qui est 2. Par contre, Joanne Nigon, je crois que c'est mal. C'est mais mal je crois parti. Qu'il est 5. Je crois qu'il est 5. Alors, Grégoire Martinez. Nigon, ouais, alors, attends, on a Vivien Gonnet, on a Giuffre. Non, c'est. Non, il est extérieur. Non, c'est il Jonathan Gardy. Quatrième, Jonathan. Allez, allez, John. Et Nigon, il est 3 ou 4 Non, il est même plus loin, ouais. Non, Joanne Nigon, il est. Là, ça fait Gonnet, oui. Joffre, oui. Martinez, Mangarni. Voilà, et derrière. Je pense qu'il doit être 5. Ouais, il avait mauvais départ. Ouais. Punaise, Jonathan Mangarni, parti de la Romain. Encore une fois, regardez là, le numéro 23, c'est Jonathan Mangarni. C'est peut-être le plus ancien non, de l'équipe, Jonathan, maintenant. Oui, je pense. Alors, on a le plus jeune avec le fils et le plus ancien avec le père. Nickel. Allez, vous le voyez, Vivien Gonnet en tête déjà avec 4 dixièmes d'avance sur Giuffre. Oui, Nigon, 7e. Ah ouais. Ah oui, là, Martinez, contre, 3, Mangarni, 4, Renault, 5. Ouais. Oh, il a calé. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ben là, c'est. Ah, ben c'est bon, il a réussi à la remettre en marche parce que je peux vous dire, le moteur, il est tellement pointu ouais, là, de Lux Le Verne. Il a un souci de démarrage là, fait déjà. Ouais. Alors, attention, ça va nous faire du spectacle puisqu'il y a 6 tours sur allez. Cette finale de la MV Cup. Alors, et, regardez. Vivien Gonnet, allez, moins allez, un déjà. Un. Attention. Oh, aïe. Attention, Vivien. Ah, ouais, ben là, il ne veut pas laisser sa part au chien, c'est normal. Allez. Ça y est, il est passé, il a déjà gagné une place. Allez. Bon, pas ça. Alors, Romain Giuffre est en tête. Oh là, Vivien Gonnet, deuxième à une seconde et demie. Et là, je peux vous dire, allez, surveillez le retour du maillot jaune. Allez, Romain. On se croirait à l'étape du Tour de France. Le maillot jaune distancé dans la montée qui est en train de revenir maintenant. Bon, même s'il finit deux, il gagne le général quand même. Sûr. Mais bon, mais il va pas. Qui revient sur Romain Giuffre. Et Romain Giuffre, c'est pas n'importe qui. Ancien pilote officiel bêta en enduro pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que, comme on dit en moto, il est sort du câble, hein, le petit gars. Allez. Et ça va être dur d'aller le chercher. Pour l'instant, il y a une seconde. Et demi au dernier passage sur la ligne de chronométrage à l'avantage pour Romain Giuffre sur Vivien Gonnet. Impressionnant. Allez, impressionnant. La montée maintenant, on va voir le nouveau pointage. Alors, 1 seconde 5 au tour précédent. Et là, il y a une seconde. Il a repris 5 dixièmes sur le tour. Et regardez comme il est en train de fondre sur Romain Giuffre. Il prend tous les risques, Vivien Gonnet. Allez, Romain, il faut tenir. Allez, Romain. Ah, il va lui faire le freinage. Il va lui faire le freinage. Mais c'est pas croyable. Il est incroyable, ce garçon. C'est un extraterrestre. Ah, il se dédouble. Ils sont côte à côte. Coude à coude. Il le passe épaule contre épaule. Il lui fait l'extérieur. Il lui fait l'extérieur dans la descente. On n'avait jamais vu ça encore. Ah, je peux vous dire, là, il faut avoir des grosses aiguilles hein, pour faire ce qu'il vient de faire. Et la laine aussi. Hein. Oh là 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 là. Parce qu'alors là, aller faire l'extérieur dans cet endroit du circuit. Alors, est-ce que Romain, c'est un peu loupé aussi? On n'a pas trop. Comment il est passé à l'extérieur Je sais pas. Je sais pas comment il a fait, mais en attendant, regarde, il est passé en tête et en l'espace de 250 mètres, il a pris une seconde sur Romain Giuffre. Ah, il lui a mis un coup sur le casque là, Romain Giuffre. Ouais. Alors que on va rentrer dans le dernier tour. Et du coup, 2 x 3, c'est Martinez qui va être sur le podium. Eh bah oui, 7 et 3, 10. Excellent. 4 et 4, 8 et 3, 11 pour Martinez. 4 et 4, 8 et 3, 11. 7 et 3, 10 et 3, 13. Pour 2 points, il va être devant. Alors, pour l'instant, on a. Ah ben, le phare s'est éteint, tiens, petit souci. Le passage, là. Ah ouais, là, il est vraiment au-dessus du lot. Ah ouais, magnifique. C'est incroyable ce que. Allez, Vivien. Allez, dernier tour pour Vivien Gonnet. Intouchable cette année. Je vous rappelle que depuis le début de cette AMD Cup 2023, Vivien Gonnet a gagné toutes les finales et toutes les super finales. Et bon, on ne veut pas lui porter la poisse, hein, mais il est à 600 mètres de l'arrivée. Ouais. Il a 2 secondes et demie d'avance sur Romain Giuffre. Il est parti pour aller coiffer une nouvelle couronne. Et lorsqu'il va passer devant vous sur la roue arrière, j'espère que vous allez lui témoigner votre... Vraiment votre affection, parce que c'est un garçon adorable. Il était blessé au dos il y a 15 jours et il revient de manière extraordinaire pour remporter cette super finale. Regarde ça encore. On croirait qu'il est comme les voitures derrière nous, un ski électrique. Allez, on peut l'applaudir. Vous pouvez applaudir Vivien Gonnet, vainqueur. Et voilà, Vivien. Voilà, c'est magnifique. Fait. Bon, ben Vivien Gonnet, il sera 1. Romain Giuffre, il sera 2. Et alors, Grégoire Martinez. Ben, allez, Grégoire, allez. S'il est 3, il est 3. Alors après, il faut voir ce que Nigon a fait. Alors attends, Mangarni, 4, bravo. 4. Renault va prendre le 5e, oui. 5, Nigon, 6. Donc 6 et 3, 9. Et 6 et 3, 9, normalement. Pour un point, 4 et 4, 8 et 3. Génial, génial. Trop content pour Grégoire Martinez, déçu pour Nigon, mais bon, c'est la course. Génial. Et tu vois, avec nous, il y a M. le maire qui est venu nous rendre visite, qui adore les motos. Enchanté. Il est venu nous rendre une petite visite. Comme... Ah, mais ça y est, ils vont commencer à nous faire une super baisse. Ah, bah là, c'est parti, là. Attention au fil, coupez pas les fils, s'il vous plaît. Alors là, on va se faire engueuler. Bravo, bravo.